Alors moi, je le connais depuis longtemps. Lui, il était chez Etalab il y a quelques années. Et toi, tu es devenu entrepreneur. Et tu as créé cette société qui fait beaucoup parler d'elle. Raconte-nous ton CES et en deux mots ce que tu fais. Alors, l'expérience n'était pas aussi impressionnante que effectivement des problèmes de sécurité nationale. Moi, le premier point que je ramène effectivement de CES, c'est une rhinopharyngite et une... Effectivement, mais je rejoins tout à fait ce que tu disais sur l'énergie et l'engagement que ça demande. C'est extrêmement intense. Donc si en tout cas une partie du public réfléchit à exposer ou présenter l'an prochain, réaliser l'investissement au-delà de l'investissement évidemment matériel, financier, de temps, etc. L'investissement de humain et d'énergie que ça demande, parce que c'est voilà exactement. De notre point de vue aussi, alors peut-être en deux mots pour dire ce que fait Plume, et ce sera plus simple pour montrer rapidement. Hop, un petit prototype. J'en ai un sous la main. J'en ai un sous la main. Justement, si. C'est bien de venir avec son produit. Voilà. Il y en a un autre. C'est un prototype d'aspect qu'on a fait justement pour CES. C'est-à-dire, ça permet de montrer à quoi ça ressemble, puisque ça a quand même un tout petit peu changé depuis ce qu'on avait montré à Futur en scène. C'est d'ailleurs l'occasion de remercier Capdigital pour l'aide qu'ils nous avaient apportée au tout début du projet. Merci beaucoup. Plume, en deux mots, on cherche, et c'est malheureusement d'actualité, à aider les consommateurs qui vivent en ville et dans des contextes pollués à mieux comprendre l'air qu'ils respirent. Donc, vous connaissez Fitbit et consorts pour votre niveau d'activité. Ça va vous dire le nombre de pas que vous faites. Il y a de plus en plus de... C'est une catégorie qui est surreprésentée saturé sans doute à CIS. Il y a tout un espace, je crois que c'est d'ailleurs la première année qu'il y a un espace Sleep Tech. Oui, c'est nouveau, il n'y a pas beaucoup de boîtes, mais c'est nouveau. Et du coup, on voit que c'est un deuxième aspect de la santé personnelle et du bien-être qui est en pleine émergence. Nous, ce qu'on cherche à mesurer pour permettre de mieux le contrôler et de moins le subir, c'est en fait votre santé environnementale, en commençant par la pollution de l'air et toutes les différentes problématiques de pollution extérieure, qualité de l'air intérieur que vous respirez, qui ont un impact sur votre bien-être. Avec une particularité, c'est que du coup, l'objectif pour nous à CIS, c'était d'annoncer Flow, qui est ce capteur connecté qu'on porte sur un sac à dos, en bandoulière, sur une poussette, sur un vélo, qui permet de mesurer la qualité de l'air autour de soi, et donc qui est un tracker pour l'air que vous respirez. Voilà, c'est entre eux, c'est pas très mauvais, mais c'est pas excellent non plus. C'est un prototype d'aspect, donc il n'y a pas en fait, voilà, bref. Mais cet objet vous permet en fait sans doute culturellement effectivement un petit peu américain et asiatique aussi puisque je reviendrai d'ailleurs c'est un vrai sujet de visibilité internationale. J'ai pas mal de retours là-dessus. C'est un produit qui en fait vous aide à mieux comprendre votre environnement mais qui vous aide surtout déjà à le mesurer avec le pari que il y a un énorme problème lié à la pollution, lié à la qualité de l'air intérieur, lié aux particules fines en ville, etc., que pour le régler, il n'y aura pas un coup de baguette magique, malheureusement, ou une solution miracle, mais un écosystème qui va se développer et qu'une brique fondamentale de cet écosystème, c'est l'information. Et donc avoir la meilleure information, la plus précise de référence en fonction du contexte sur ce qu'on respire, que ça soit savoir autour de soi quel est le niveau de qualité de l'air chez soi, quand on se déplace, dans les différents modes de transport, pour pouvoir agir, pour pouvoir dire est-ce que je vais, par exemple, lancer mon purificateur, est-ce que je vais aller m'aérer dans telle zone. C'est un élément qui deviendra clé, qui va devenir un catalyste, et donc on espère construire justement ce... C'était le premier CES, C'était le premier CES où j'exposais. Du coup, pardon... Tu avais déjà visité avant. C'était le troisième où je passais, mais c'était le premier où on exposait, et c'est vrai que c'est une expérience extrêmement différente. Mais du coup, une particularité, c'est qu'on annonçait Flow, objet qui sera en pré-vente un peu plus tard dans l'année, donc on était en fait assez en avance de phase, et finalement il y a beaucoup de projets et de produits qui sont un peu dans cette catégorie, c'est-à-dire qu'on vient à CIS pour voir de l'innovation, tout n'est pas disponible, tout n'est pas tout de suite disponible sur le marché. Ah, d'autant plus, effectivement, des projets de start-up ne sont pas dispo. Hein. Et en général, la dispo, c'est entre 6 et 12 mois, dans le meilleur des cas. Voilà, donc c'est effectivement plutôt dans les cordes. En même temps, c'est pour ça que j'expliquais que c'est une question aussi de données, c'est-à-dire que l'objet connecté permettra d'avoir, en mettant en commun les différentes mesures réalisées par les utilisateurs qui porteront l'objet, et on commence avec un bêta-test dans les semaines qui viennent à Londres avec une centaine de personnes, on va permettre de mieux cartographier l'espace urbain, de beaucoup mieux, générer beaucoup plus de données sur son exposition à la qualité de l'air, et ça viendra remplir ce qui est au fait aujourd'hui derrière du coup une start-up d'objets connectés se cache en fait une vingtaine dont une bonne partie d'entre nous leur background de l'équipe en tout cas le background et c'est mon cas aussi plutôt sur le côté données, data science, intelligence artificielle, machine learning appliqué aux sciences de l'environnement
Et donc, on était à CIS à la fois pour présenter cet objet qui est notre prochaine étape de notre développement, mais aussi pour travailler avec nos différents clients qui utilisent aujourd'hui notre plateforme de mesure, simulation et prévision de qualité de l'air et de pollution à travers, on est dans 60 pays à travers le monde aujourd'hui, quelques centaines de villes. Donc c'est intéressant parce qu'il y a vraiment les deux côtés. Alors ça, c'est un des points qui était difficile à trouver en termes d'équilibre, c'est-à-dire qu'à la fois on venait annoncer la nouveauté, donc on a mis tous nos efforts de communication et ça a très 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 bien marché, au-delà de tout ce qu'on pouvait attendre, mais c'était un véritable effort d'investissement de temps avec la presse, en amont du salon, pendant le salon, après le salon, avec des rendez-vous qui changeaient d'une minute à l'autre, c'était un vrai travail de communication axé sur Flow, puisque donc Flow c'est l'objet connecté, puisque c'était, enfin CIS comme tu le disais, c'est consumer avant tout. Mais on avait aussi la particularité d'avoir tous nos clients potentiels, ou une bonne partie en tout cas pour l'industrie objet connecté, sur place aussi. Donc c'était l'occasion de faire parler de notre API et de nos services de données. Donc la poche droite, poche gauche, pour nous, c'était alors est-ce que je lui parle de l'objet ou est-ce que je lui parle de l'API ? Fais-nous un peu rêver, toujours pareil, même question, quels sont les contacts les plus fascinants que tu as pu croiser sur place ? Alors fascinant, on a eu le numéro... Fais rêver les entrepreneurs qui ne sont pas encore allés au CES. Bon, en termes de niveau hiérarchique, etc., on a eu le patron d'Orange qui est passé, donc Stéphane Richard qui est passé directement sur le stand. C'est vrai que c'est sans doute finalement plus difficile de l'avoir, d'avoir deux minutes avec lui à Paris qu'à Las Vegas. Bon, même si je suis tout à fait d'accord sur le côté, éviter le côté village gaulois autant que possible. Deux points du coup qui étaient extrêmement intéressants. D'abord, comme on est sur un sujet qui est un peu à part, la qualité de l'air, la pollution, c'est... on en parle finalement de plus en plus, mais c'est très sous-représenté dans l'espace technologique, en tout cas aujourd'hui. C'est un écosystème qu'il faut encore structurer, et on pense que la donnée est la brique fondamentale qui permettra de le structurer, d'où le positionnement qu'on prend, mais il est encore émergent. On a eu par exemple la surprise d'avoir CTA, qui est l'association qui organise CIS, qui a ils ont un uniforme bleu, les personnes de l'organisation, etc. Et donc, on voit quelqu'un de l'organisation officielle qui vient nous apporter un monsieur sur le stand. C'était le numéro 2 de l'EPA, donc la fameuse agence environnementale de protection environnementale aux États-Unis. Enfin, l'ancienne. Voilà. Donc, no comment. Mais ça, c'est quand même, c'est pas quelque chose qui vous arrive tous les jours. Et que ce soit l'organisation qui est repérée, donc ça veut dire aussi que CTA eux-mêmes et CIS mettent évidemment des moyens extrêmement importants pour mettre en avant les startups, notamment parce que, je l'ai pas dit, mais on a bénéficié on était lauréat des CIS Innovation Awards dans une des catégories. Ce qui permet évidemment d'être visible, ce qui a permis aussi d'être visible vis-à-vis de la presse, ce qui nous a permis aussi d'être ensuite dans le Best of CES d'Engadget, dans les Top 10 Coolest Innovations de TechCrunch. Dans les articles que vous avez montré tout à l'heure. Voilà. Donc ça, évidemment, ça aide beaucoup, ce qui veut dire aussi, si vous préparez les prochaines éditions, il faut en amont prendre le temps de regarder comment ces awards fonctionnent. Ensuite, l'autre point, peut-être moins en termes d'une personne clé ou quelqu'un qui... Mais en termes plus de retour qualitatif, à la fois... effectivement très 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 qualifié, il y a toujours des personnes qui vous prennent un peu la jambe et ça traîne et il faut réussir à équilibrer le temps, équilibrer le temps qu'on passe, mais c'est vraiment une minorité par rapport à l'immense majorité des salons qu'on peut imaginer parce que c'est très qualifié. Donc finalement toutes les conversations assez vite d'ailleurs, et les gens font la même chose, c'est très américain, mais s'ils voient que ce que vous faites les intéresse pas ou rentre pas dans le cadre de la raison pour laquelle ils sont là, on passe à autre chose et aucun problème. Mais du coup c'est effectivement très qualifié, c'est de très haut niveau, il y a quand même vraiment des décideurs dans plein de domaines. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi très au-delà des technologies. Nous on est finalement dans l'univers de la santé et du bien-être, puisqu'on cherche à construire cette verticale de la santé environnementale, personnelle et connectée. Et donc, voir passer, exactement, d'assurance, mais mondial. Au-delà évidemment des entreprises françaises qu'on peut connaître ou avec qui on peut avoir des échanges, là c'est vraiment très international. Un point sur effectivement la diversité culturelle, c'est qu'on a eu... comme évidemment le sujet de la pollution est très important en Asie, on développe depuis l'an dernier une présence en Chine, sauf que y aller petit à petit, essayer de comprendre, etc., ça prend toujours du temps. Là, à CIS, en 4 jours, on a eu plus d'intérêt d'exposition parmi les très très grands Chinois qu'on avait pu en avoir jusqu'à présent. Donc je vais tout à fait dans le sens de ce que tu disais. Il faut utiliser CIS comme un levier pour devenir visible à l'international. C'est super d'avoir ensuite des retombées. On a eu la chance d'être aussi visible dans les médias français. Ça aide forcément à asseoir ce qu'on fait, ça aide à faire connaître le produit, à préparer les préventes, à faire avancer la boîte. Ça aide aussi d'ailleurs pour préparer toutes les discussions d'investissement, parce que être visible sur un salon comme ça, ça fait sortir du lot, clairement. Mais surtout, c'est un accélérateur de visibilité
pour des boîtes françaises qui ne sont pas naturellement visibles dans l'écosystème de la Silicon Valley, qui ne sont pas forcément visibles naturellement dans l'écosystème chinois, ou enfin, en tout cas les écosystèmes internationaux, pour être beaucoup plus visibles, enfin, en tout cas pour se donner les moyens via CIS de devenir visibles mondialement. Donc c'est dur à couper, toi, quand même. Ouais, effectivement. Je cherche la fin de la phrase, là, et j'arrive pas. Est-ce que vous avez des questions, peut-être ou... Après. Okay. T'es trop fort. On le remercie. Bravo, Romain. Oh, merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Olivier.